faut que je fasse une petite vidéo et que j'ai l'histoire il y a plus longtemps. C'est une attente vs réalité. Donc ça sera basé sur les frères et sœurs. Tout le monde doit avoir des frères et sœurs. Bon, bah si vous y en a qui sont cliniques, mais c'est pas grave, regardez quand même les vidéos. Peut-être si un jour vous avez un vrai Wonder, je sais pas, hein, bah vous inspirez à ça. Donc ce que je raconte, c'est un peu ce qui pourrait se passer. Je dis rien, j'ai pas tous les sujets. Bah j'ai pas trouvé tous les sujets possibles, mais ça va. Donc comme j'ai dit, frère, VS, sœur. On savait tous que les sœurs et les frères, c'est pas du tout pareil. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis trop contente de la faire. Suite de la vidéo. Attente vs réalité. Pour la nourriture. Attente. Ça va être délicieux. J'ai la Non, mais c'est à manger, s'il te plaît. J'ai pas goûté tout à l'heure. Tout à l'heure, je veux dire. J'ai pas goûté. Oui, bien sûr. J'ai pas déjeuné à 4h30. Tu peux me passer ta... tes pommes? Pardon! Moi je suis une toque, ok? Personne ne prend mes pommes! Personne! Mais. Personne! T'as qu'à aller t'en trouver au supermarché! T'as qu'à demander à maman de racheter pour les manger. Quand j'aime. Voilà. Maintenant, laisse-moi manger mes pommes! Sereine! C'est bon, je te demandais, hein. Vas-y Naruto, tu vas combattre Sasuke, vas-y. Jelal. Oui. Tu peux pas enregistrer Naruto et me passer à la télé, s'il te plaît? Ah bien sûr, attends, j'enregistre. Enregistrer Naruto. Tu peux regarder tes longueurs. Merci. Ouais, vas-y Sakura, tu vas combler Sasuke. Vas-y, vas-y. Vas-y. Luna. Je vais regarder Naruto là. Passe-moi la télé, je vais regarder une One Piece moi. Je regarde One Piece. Pardon. Quoi? Et je regarde One Piece. Non, je regarde pas One Piece. Non, non, je regarde pas One Piece parce que sinon tu vas voir, tu vas m'entendre, je regarde pas One Piece. C'est Naruto qui va gagner. Qu'est-ce qui se passe? Maman, maman, c'est lui. Non, c'est elle. Je voulais regarder One Piece et elle regarde Naruto. Non, c'est lui. Jelal, dans ta chambre. Oh là là, mais je trouve pareil avec vous. Merci maman, de rien à plus. Ok, vas-y, c'est quoi? Invité, copain, copine, vous avez bien compris. Attente. Maman, oui, Luna, est-ce que je pourrais inviter Juliette à la maison, s'il te plaît? Juliette, oui, la petite blonde là, tu vois. Je sais pas, il y a que. J'aimerais inviter Thomas, s'il te plaît. Aïe. Thomas. Oui, Thomas, le brun, là. Le brun, maman, le brun. Oh, pas de problème. Merci, maman. Bon, j'ai vu, je l'appelais. Il est à moi, le téléphone. Les enfants vont aller vite. Maman. Oui, ma puce. Est-ce que je peux inviter Juliette? Quand? Aujourd'hui, là, tout de suite. Pourquoi? Ah, parce que... Je viens de voir ça avec elle. Maman, je peux inviter Tom, s'il te plaît, on a quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un exposé. Ah, pareil, je suis en train d'exposer. Quoi? T'as un exposé à faire? Bah, moi, j'ai exposé. Non, c'est lui! Non, moi, je veux inviter. Moi aussi. Personne ne se sera invité, ni Juliette, ni Tom! Papa, vous récupérez de vos pieds. Vous allez dans vos chambres. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui parle des attentes de la réalité. Et bientôt, une autre que je vais sortir, c'est une série que je commence et ne vous inquiétez pas. Je vais finir la série que j'ai dite là. Une série entraînée. Dites-moi en commentaire, pardon. Dites-moi en commentaire si vous voulez que ça finisse bien ou pas bien. Je sais, je le répète. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous!